Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de Tricotons Ensemble. Donc le principe il est tout simple, je tricote, aujourd'hui une petite moufle, et je vais te montrer comment je fais, quelles sont mes petites astuces, quel matériel j'utilise, et je répondrai aussi aux questions sur mon blog, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, etc. etc. Donc l'hiver approche, il est grand temps de couvrir nos petits et grands. Moi c'est plutôt une petite qui a 3 ans, je lui ai déjà fait un petit snood, un beau béret, et maintenant il me reste de la laine pour finir cette paire de moufles. Donc j'ai tricoté en rond avec des aiguilles circulaires. C'est peut-être le moment pour toi, si tu les as jamais utilisées, tes aiguilles circulaires, d'essayer, en tout cas de voir vraiment comment on l'utilise, parce que le but du jeu, ça va être pour moi de montrer vraiment toutes les étapes en zoomant un maximum, en prenant vraiment mon temps. Donc je ne vais pas tricoter pendant 45 minutes, une heure d'affilée, je vais juste zoomer sur les parties importantes. Dans le cas de la moufle, ça va être par exemple le démarrage, comment faire des côtes de 2 en aiguille circulaire, changer la couleur de la laine, comment on fait pour ce petit pouce, et les réductions pour terminer. Voilà, c'est tout. Alors, pour faire ma seconde moufle, je vais utiliser des aiguilles circulaires. Je ferai un tuto aussi pour les personnes qui débutent vraiment, mais ça, il n'y aura même pas besoin de vidéo pour faire des petites mitaines toutes simples. Mais là, dans le cas présent, les aiguilles circulaires permettent d'éviter les coutures, d'avoir un super rendu, vraiment un joli fini, et c'est assez facile. C'est facile quand on a vu quelqu'un le faire, et d'où le principe de tricotons ensemble. Niveau matos, donc j'ai ces aiguilles là qui ont quand même le défaut d'avoir un fil très très long qui ne se détache pas. En règle générale, j'utilise celle-ci où donc il y a un petit, avec une petite clé, on peut dévisser le fil, avoir plusieurs longueurs, donc ça, c'est assez pratique. Mais bon, même avec un fil extrêmement long, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'on s'en mêle un petit peu. Au niveau du fil, donc c'est la Strass Light de Fildar. Donc Fildar change de collection chaque année. Et donc voilà, il y avait des invendus dans la petite mercerie qu'il n'y a pas loin de chez moi. Et notamment un fil qui brille. Et j'ai eu le malheur d'y aller avec ma fille qui a vu ce truc qui brillait. Donc elle dit « Ah, c'est trop beau !» Donc voilà, donc je me retrouve avec de la Strass Light. Je crois que c'est 50% laine, 50% acrylique. Elle n'est pas très agréable à tricoter. Le seul intérêt, c'est qu'elle brille. Puis il y a le petit côté un peu mousseux là qui peut être appréciable, enfin appréciable surtout quand on débute, parce que le petit côté mousseux comme ça, ben, ça cache un peu les imperfections, c'est super. Pour le reste du matériel, j'utilise aussi des ciseaux, donc j'en ai des plus petits, je vous rassure, et aussi la fameuse aiguille à laine, qu'on trouve assez facilement, qu'on perd aussi assez facilement d'ailleurs. J'en ai plusieurs à la base, je suis censée en avoir une dizaine, j'en ai 2 dans ma trousse, hein, je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, je crois que là on a tout ce qu'il nous faut, et on va pouvoir commencer... notre aventure de tricotant ensemble. Donc c'est parti, nous allons monter 36 mailles sur les 10 aiguilles 3,5 pour ma part. Après en commentaire, on pourra, si vous avez besoin d'un coup de main, voir avec d'autres laines, d'autres aiguilles, pour des mains plus petites, des mains plus grandes. Voilà, on peut s'adapter. Là, c'est vrai que pour l'instant, je pars sur le modèle de ma fille. Donc c'est 36 mailles en Strass Light. Donc voici la manière dont je procède. Donc j'estime je vais avoir besoin à peu près d'un tricot de cette largeur. Bon, c'est très très large. Et je compte 2,5 fois pour le fil qui pend. Et je tire le fil entre mes deux doigts. Je pose l'aiguille. Je passe dessous. Ça fait une sorte de croisement. Le fil qui part de la bobine, je le passe, je fais un jeté. Et cette boucle-là, je la passe par-dessus le jeté. Alors en vous montrant, je l'ai vachement serré, voilà. Hop. Et donc moi, c'est ma première, c'est une espèce de nœud coulant en fait. Voilà, donc c'est ma première maille, je procède de cette façon. Bon, je pense pas être la seule. Ensuite, je vais faire donc 36 fois la même chose.
Le but du jeu, maintenant, ça va être de mettre la moitié des mailles sur cette aiguille, enfin du moins de les laisser, mais surtout de glisser l'autre moitié sur l'autre aiguille. Donc du coup, ça fait 18 et 18, c'est pour ça que j'ai mis 36 mailles. Je ne suis pas une militaire du tricot, donc c'est pas grave s'il y a une maille en moins, une maille en plus. Bon, moi j'ai fait 36 hein, pour que ça fasse 18 et 18, c'est tout, il n'y a pas de... Et puis après on tombe sur des nombres pairs, c'est plus facile après pour la suite quand il y a des diminutions, mais bon, on n'est pas à une maille près du tout. Donc je fais glisser. On arrive à la jonction de l'aiguille et du fil, donc j'attrape le fil au milieu là, entre les deux mailles. Je tire un peu, vous pouvez tirer, elles n'ont pas mal, je vous promets. Et on va donc faire passer le fil. Donc là je suis un peu loin de moi-même là, juste pour... du coup c'est un peu plus compliqué, voilà, hop. Donc vous voyez, ça tire hein, entre les deux mailles. N'ayez pas peur, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, le mal n'est pas irrémédiable. En serrant un petit peu, on enlèvera cet écart très très facilement. Souvent dans le tricot circulaire, on est amené à tricoter les premières, enfin la première surtout, maille des rangs, enfin des demi-tours on va dire, un petit peu plus serré que les autres pour voilà, éviter ce genre de défaut, mais voilà, ça c'est pas grave, vous allez le voir au moment de faire le pouce aussi, on aura ce genre d'écart, c'est peut-être impressionnant, bon tout est relatif, on est que dans du tricot, hein. Mais voilà, on peut se dire ah mince, je fais une bêtise, non non, vous inquiétez pas, c'est flexible, voilà, y a pas à paniquer. Donc je passe mon fil, je tire, ah, et je fais passer les mailles sur l'aiguille. Donc évidemment j'ai monté mes mailles beaucoup trop serrées, donc c'est un peu dur. Bon, si vous n'avez pas été aussi aussi bourrine que moi, ça devrait aller. Donc à part le fait que les mailles soient dispersées sur deux aiguilles, enfin sur deux parties d'une même aiguille, pour l'instant il n'y a rien d'incroyable. On va faire des côtes de deux de façon très classique, deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert. Voilà, rien de foufou. Juste, je vous conseille pour la première maille de la serrer un petit peu. Alors, il suffit juste de tirer là un peu hein, quand vous la faites. Voilà, de pas trop relâcher, tirer. Pour éviter qu'il y ait ce petit relâchement du début. Bon, vous inquiétez pas, c'est assez facile à rattraper. Donc deux mailles en droit, je passe mon aiguille devant, deux mailles en vert. Donc on arrive à la fin de ce demi-tour, puisque on tricote en tour du coup. Première chose que je peux vous montrer juste, c'est que voilà, là on est dans du tricot circulaire, hein, tout est attaché. Deuxième chose que je vais vous montrer, donc là par contre ça rigole pas, je vais le faire tout doucement. Alors, je vais même ranger le fil pour pas qu'on se mélange. Je vais tourner mes aiguilles, donc hop. Comme ça. Du coup, les mailles que l'on vient de travailler sont derrière. Je passe bien le fil. Les mailles que l'on doit travailler sont devant. Je vais les faire donc glisser sur cette aiguille qui pendouille, qui ne va plus être active, qui va avoir juste pour rôle de porter les mailles à travailler. Donc là c'est un peu dur, c'est normal, c'est parce que j'ai tiré hein, sur cette première maille, donc elle coince au niveau d'un défaut de conception de l'aiguille en fait. C'est la partie métal plastique qui a un petit défaut, voilà, hop. Et là les aiguilles que j'ai déjà travaillées, je les laisse sur le fil, sur le câble, parce que j'ai besoin d'utiliser cette aiguille-ci pour travailler les mailles toutes neuves. Donc j'ai mon fil par là, très bien. Je le mets dans ma main.
Je fais un petit peu de place pour y voir plus clair. Et encore une fois, je vais faire deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert. Et tac, terminé. Je tire juste, hein, c'est le fil du début que je tire un peu. Donc du coup, rebelote, je tourne mes aiguilles. Les aiguilles que je vais être amenée à travailler, je les mets en production. Hop. Les aiguilles que j'ai déjà travaillées vont finir sur le câble. Voilà, hop, je récupère mon fil. Je détends un peu ça pour y voir plus clair. Et je vais commencer par deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert. En tricot, en aller-retour, on va dire en tricot classique, le premier rang, c'est deux mailles en droit, deux mailles en vert. Le second rang, c'est deux mailles en vert, deux mailles en droit. En tricot en rond, c'est pas le cas. On commencera toujours par deux mailles en droit, deux mailles en vert, tout simplement parce qu'on ne tourne pas l'ouvrage. On travaille toujours du côté en droit. Du coup, en tricot en rond, pour faire du jersey par exemple, il suffit juste toujours, toujours de tricoter en droit. Quand on fait des allers-retours, ça nous fait du point mousse. Quand on tricote en rond, ça nous fait du jersey. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal d'ailleurs. Je termine, c'est normal, par deux mailles en droit. Et je vous le montre une dernière fois pour ce coup-ci. Je tourne mes aiguilles. Alors moi, j'ai beaucoup de câbles. Alors, hein, je vous raconte pas comment ça s'en mêle. Les mailles qui vont être tricotées maintenant vont passer sur l'aiguille. Voilà, hop. Et celles qui viennent toujours d'être tricotées vont aller sur le câble afin que l'on puisse utiliser l'aiguille de droite. Alors, je vais continuer comme ça pendant, comme vous voulez. Dans le cas présent, je l'ai fait pendant 3 ou 4 cm. Vous voyez, je ne sais même pas, je l'ai fait à la vue. Donc effectivement, vu que je fais le second gant identique au premier, je vais tout simplement compter. Donc là, dans le cas présent, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 rangs pour moi. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, si c'est pour vous, par exemple, ça peut être hyper sympa d'avoir... Un très très grand poignet. Ah y est, j'ai terminé. Voilà ma petite quinzaine de rangs en côte de 2. Donc voilà, hein, ça fait le petit poignet. Donc il ne faut pas hésiter à le faire un peu serré, puisque finalement c'est de la côte de 2, c'est hyper extensible. Hein, donc sinon il faut vraiment que ça tienne. Si on ne serre pas assez, voilà, on tombe sur un truc comme ça, donc c'est moi qui, c'était un premier essai, et qui n'est pas franchement réussi, et voilà, donc c'est, ça ne tient pas du tout, enfin franchement ça ne tient pas du tout, en plus je l'ai fait l'été dernier, ma fille avait juste 2 ans, enfin c'est, ça ne va pas du tout du tout. Donc à présent, les prochaines étapes seront juste le changement de couleur. Continuer en jersey,
Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, un jersey, c'est maille endroit, maille endroit, maille endroit, maille endroit, maille endroit, maille endroit, fastoche. Et puis, les premières augmentations, juste pour qu'il y ait ce petit effet, ce petit rebond-là. Et après, il y aura une autre partie de la vidéo consacrée à l'ouverture pour le pouce. Une autre partie de la vidéo consacrée aux diminutions. Et enfin, la partie consacrée juste à l'insertion du pouce. Voilà, pour le programme. J'aurais pu le faire au début, non? Donc, je tire mon aiguille pour mettre les mailles là où il faut. Je tire celle-ci pour que les mailles soient en attente sur le câble. Ensuite, je prends mon fil blanc. J'ai déjà coupé hein, le fil qui relie à la pelote dorée. Voilà. Je pique, je passe le fil, je fais une sorte de jeté. Voilà, et une maille endroit. J'essaye de ne pas me tromper. Alors ce fil, est, je crois que le plus pénible avec, c'est qu'il s'accroche à lui-même. Voilà. Et là, bon là, rien de foufou, on va faire des mailles endroit à tire-larigot. Donc là, pour l'instant, on va faire un tour. Je suis au bout, je tourne. Bon, maintenant, vous devez gérer comme des pros. Je tire mon fil. Ah si, une petite astuce. Une petite méthode de travail qui peut vous être utile, c'est aussi pour éviter cette béance qui peut y avoir en début de rang, hein, ce relâchement. Donc je vous ai dit, la première maille, on la tricote serrée, certes, mais aussi, le plus simple aussi, c'est de bien tenir le câble contre l'aiguille. Voilà, tout au long du tricot, enfin surtout au début. Et bon, de ce fait, l'écart ne se fait pas trop, quoi. Voilà, la fin du premier tour. Tac. Donc sur le second tour en blanc, donc voilà, le changement de couleur s'est fait facilement, hein, c'est pas bien compliqué, si ce n'est qu'on a pas mal de fils qui se baladent, mais bon, ça c'est, on est habitué, c'est pas une nouveauté. Tac, tac, tac. Donc, à présent, on va répartir des augmentations, à savoir, donc il y aura 4 augmentations par tour. Alors, on va faire une augmentation ici à 2 mailles du bord, une autre ici à 2 mailles du bord, et pareil de l'autre côté. Donc je tricote les deux premières mailles tout à fait normalement. Et là, je vais tricoter la maille qui est située en dessous de celle-ci. Donc dans le cas présent, il se trouve qu'elle est encore elle est dorée, hein, puisque c'est le rang en dessous. Donc je passe bien mon aiguille dans la maille située en dessous. Et hop, je sors. Voilà, la première augmentation. Alors, je vais essayer, pour la suivante, de zoomer. Je me positionne au bon endroit. Là, attention. Tac. Et encore une. Vous voyez cette toute petite maille-là, ici? Elle est dorée. Elle entoure la maille qui se trouve sur l'aiguille. Voilà. Donc c'est cette maille-là dont je vais me saisir avec l'aiguille située dans ma main droite. Hop. Vous voyez? Et que je vais tricoter. Et là, je finis
tout à fait normalement. À présent, on a fini notre premier tour avec demi-tour même, avec augmentation. Donc, je tourne et on va refaire la même chose. Et je vais essayer de vous montrer une nouvelle fois la marche à suivre. Donc, lors de ce premier tour avec augmentation, on va passer de 36 mailles à 40 mailles. Donc, je tiens bien mon câble contre mon aiguille. 1, 2. Je passe mon aiguille dans la maille qui est dessous. Je tricote et hop, je continue normalement. Je vais un petit peu vite, voilà. Donc je suis à 2 mailles du bord. Hop, j'attends que ça se stabilise. Donc toujours, il y a cette petite boucle là, ici en dessous. Donc moi, je passe à l'intérieur, de gauche à droite, là, comme ça. Et voilà, je vais tricoter. On va refaire un deuxième rang. Avec des augmentations, encore la même chose, à 2 mailles du bord, de chaque côté, on fait une augmentation de la même façon. Et ensuite, on va tricoter droit pendant, ben là c'est à vous de voir en fonction de la taille de la main de votre enfant. Moi ça fait 2 cm, 2 cm et demi. Voilà. On y est, j'ai fait mes 2 cm et demi de jersey. À présent, il faut penser au pouce. Alors le pouce, on le fera après. Hein. Pour l'instant, on s'occupe du trou, en quelque sorte, de l'emplacement du pouce. À partir de ce rond, de ce trou, on remontera les mailles de sa circonférence et on montera le pouce. Voilà. Il y a deux possibilités. Soit on fait donc une fente verticale, c'est le cas là et c'est ce que j'ai choisi. Soit on fait une fente horizontale. En rabattant 6 mailles, puis au tour d'après, à l'emplacement hein, de ces 6 mailles rabattues, on en monte 6. C'est le même principe que les boutonnières. En général, pour les boutonnières, on procède de cette façon-là. Donc, bon, j'insiste pas parce que c'est pas joli. Enfin, voilà, la forme naturelle de la moufle est comme ça. Et puis du coup, le pouce, il se met bizarrement. Comme si on avait les mains comme ça, enfin, comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas pratique, c'est pas joli, donc... Voilà. Pour faire cette fente là, bon, moi je me suis dit que ce serait sympa juste de ne plus coudre en rond, tricoter en rond, de tricoter en aller-retour pendant quelques rangs, puis de tricoter à nouveau en rond en faisant les diminutions pour arriver au bout. Donc c'est vrai que c'est pas mal, enfin le rendu est super propre, mais c'est pas évident quand même. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pensé à cette vidéo, c'est parce que l'idée est sympa, mais il faut quand même la mettre à exécution. Hein. Réussir à la mettre à exécution, c'est pas forcément évident. Donc pour tricoter en aller-retour, alors qu'on est en rond, eh bien il va falloir jouer des biscottos un petit peu. Donc on va réunir les mailles. Première chose, donc moi j'ai mon fil ici, donc c'est celle-là, hop, je tire mon aiguille. Je vais mettre toutes les mailles sur le... Et donc là, première bêtise, c'est que... c'est bien que je la fasse. Je me suis laissée emprisonner ma pelote. Elle est coincée. Donc hop, je re-écarte. Donc n'hésitez pas, je vous le disais, les mailles sont flexibles. Bon, on fait des bêtises, c'est pas grave, on tire. Elles se remettront en place au fur et à mesure du tricot. Donc je fais passer ma pelote, elle n'est plus prisonnière. Je remets toutes mes mailles ensemble sur le câble. Donc vous voyez, là, on va tirer vachement entre ces deux mailles. Hein. Mais au final, ça ne se verra pas. Donc on peut y aller, il suffira d'être vigilant pour la suite. Donc je rassemble toutes mes mailles, donc je vais les serrer très très fort. Et je vais toutes les mettre sur l'aiguille. Donc c'est quand je vous disais qu'on fait marcher les biscottos, c'est à ce moment-là.
Parce que bon, le but du jeu, c'est bon, on tire forcément sur la maille du début, la maille de fin, ça c'est indubitable, j'ai pas trouvé comment faire autrement. Mais bon, si on peut éviter de trop non plus esquinter, donc là ça coince un petit peu. Parce qu'aussi, il y a donc toujours ce défaut de mon aiguille hein, qui n'aide pas. Les aiguilles en bois, ça aurait été beaucoup plus fastoche. Donc voilà. Et là, ben, je vais coudre en tricoter. Décidément, j'ai envie de coudre moi. Je vais tricoter en aller-retour. Sauf que, comme on en aller-retour, je vais commencer ce rang par des mailles en vert, hein, puisqu'on est en jersey, on est sur l'envers du travail. Donc on fait des mailles en vert. Alors, hop. Et c'est parti, maille en vert. Alors pendant 2 ou 3 rangs, ça va être assez compliqué, hein, parce que ben, c'est très tendu, donc il faut être vraiment en bout d'aiguille. On a très peu de marge de manœuvre. Et au fur et à mesure des rangs, ça va se détendre. Et, voilà, et le risque, c'est donc de perdre des mailles. Voilà. Donc j'y vais vraiment mollo. Là. Donc c'est, je crois que c'est le moment le plus délicat de ce travail, puisque donc on doit avancer, on ne doit pas trop tirer sur les mailles, on n'a pas trop de marge de manœuvre. Et il faut forcer, enfin en tout cas moi je dois forcer sur mes aiguilles. Donc si vous galérez, vous aussi, c'est normal. Faut prendre son temps, y aller mollo, ne pas trop tirer fort. Donc le rang se termine. Perso, j'y croyais plus. Et voilà. Donc c'est toujours très serré, hein. Vous ne va pas encore pouvoir trop faire respirer les mailles. On va donc faire un rang en droit. Petit à petit, on va sentir plus de liberté. Donc à présent, on finit ce rang en droit et hop, là on en fait un en vert. Donc voilà, petit à petit on est un peu plus à l'aise. On peut voir que les mailles sont quand même assez écartées ici, hein. On réussira à le rattraper assez facilement, promis juré. Hop. Donc un rang en vert. En tout, en aller-retour, on va faire, en tout cas moi pour ma grosseur de laine, hein, je vais faire 8 rangs. Aïe, ah yeah, j'ai tricoté mes rangs en jersey en droit. Hop. Voilà, ça ressemble à ça vu de derrière. Donc toujours ce petit défaut, les mailles très tirées que l'on va arranger. Et puis on va reprendre notre Magic Loop. Donc le Magic Loop, c'est la technique, enfin, le nom de la technique tricoter en rond avec des aiguilles circulaires. Voilà. Donc pour ce faire, on va répartir les mailles en 2 groupes de 22 mailles sur chacune des aiguilles, comme au début en fait. Petite précision, notez que le fil se trouve toujours derrière. Donc pour que la répartition se fasse bien, il faut terminer par un rang en droit. Voilà, on se retrouve face à notre envers et voilà, ça sera assez plus logique. Sinon, vous allez vous perdre dans votre rond, ça ne va pas être dans le bon sens. Donc voilà, mais de toute façon, vous vous rendrez compte très vite hein, quand il y a un souci. Et quand il y a un souci, faites un rang de plus et c'est bon. Alors, donc j'ai 22 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Hop là, c'est là. Donc mes mailles, je tire. Les mailles qui vont être travaillées seront sur l'aiguille de devant.
comme d'habitude, ça vraiment, on reprend exactement la même technique qu'au début, les mailles en attente sont sur le câble. Je prends mon fil, les premières mailles seront tricotées assez serrées, hein, puisqu'on referme, donc on va éviter la béance qu'on a déjà en bas. Voilà, je tire un petit peu, voilà. Et puis c'est parti mon kiki. Et on va continuer de la sorte. Ben là, ça dépend de la main de votre enfant. Moi, j'ai continué pendant 2 cm. Donc là, vous pouvez voir hein, le trou pour le pouce qui se fait. Tranquillement mais sûrement. Donc on reste bien serré hein, pour éviter le petit défaut dont je vous parlais précédemment. Ça y est, j'ai bien travaillé, j'ai avancé, j'ai fait mes 3 cm de jarretière finalement, c'était pas 2. Et on va procéder aux diminutions. Donc les diminutions, c'est vraiment très 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 simple. On va procéder donc à 2 diminutions par demi-rang, 4 diminutions par tour, à 2 mailles du bord. Et la diminution que j'ai choisie, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, c'est de tricoter tout simplement 2 mailles ensemble. Le rendu est super propre, donc c'est parfait. Je tricote donc 2 mailles, puisque c'est à 2 mailles du bord. Ensuite, je prends ces 2 mailles sur la même aiguille et je les tricote ensemble. Je continue en jarretière en droit, donc je fais des mailles en droit, des mailles en droit, des mailles en droit, des mailles en droit. Jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles sur mon aiguille de gauche. Là, il y en a 5. Et là, il y en a 4. Je prends ces 2 mailles, les 2 mailles qui se présentent. Alors, c'est pas toujours évident, hein, surtout si vous avez des aiguilles pas coopératives. Et je vais le faire encore une fois. Donc je me mets en position de tricot, les mailles à travailler sur l'aiguille de devant, les mailles de derrière en attente. Voilà. Je tricote les 2 premières mailles puisque les diminutions sont à 2 mailles du bord. Mon aiguille comme ça et je les tricote ensemble ces 2 mailles et je continue en jarretière en droit, donc je fais maille en droit, maille en droit, maille en droit, etc, etc. Jusqu'à ce qu'il reste donc 4 mailles sur l'aiguille de gauche. Je vais tricoter ensemble les 2 mailles qui se présentent. Alors, c'est pas toujours évident de les attraper. La preuve en image. Voilà. Ou pas. Voilà. Parce que mon fil se dédouble en plus. Petit challenge. Et donc on va tricoter les 2 dernières mailles du rang normalement. Et vous allez faire ça sur tous les demi-tours, sur tous les rangs. Quoi. Jusqu'à ce qu'il reste 14 mailles. Donc ça y est, j'ai 14 mailles sur chaque aiguille. À présent, on va un petit peu accélérer les diminutions. Alors pour ce faire, on va faire 2 mailles
2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles, 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles. Deux mailles ensemble. Je déteste ce fil, hein. Vraiment, il est vraiment terrible. Et ho, comme on dit chez moi, deux mailles normales. Deux mailles ensemble et deux mailles. On va tourner l'ouvrage et on va faire la même chose. Donc deux mailles ou pas. Et hop, une, deux, et deux mailles ensemble. Et après on me dira que le tricot c'est pas du sport. Essaye de tricoter deux mailles ensemble avec la strass light et tu vas voir si tes biceps ils vont pas quadrupler, au moins. C'est terrible, hein. Donc vous avez vu ce que je fais, bah, si vous galérez vous aussi de votre côté, hein, je tire un peu sur les mailles pour laisser la place à mon aiguille. Donc deux mailles normales et re-deux mailles ensemble. Et deux mailles. Et à présent, on va tricoter toutes les mailles deux par deux. Par contre, on va avoir un nombre de mailles impaires, donc la dernière maille de chaque rang, bataillez pas à tricoter là normalement. Donc je vais rigoler quand on voit comment j'ai galéré au rang précédent. Ça sent l'éclate. Alors, donc deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble. Puis ces aiguilles n'ont pas du tout la pointe acérée, comme ça peut être le cas avec les aiguilles en bois. Enfin, pas acérées, pas de là à tuer un vampire, mais... un petit peu plus pointu que ça, puis c'est moins glissant. Voilà. Donc j'espère que ça vous rassure, hein, même après plus de 10 ans de tricot, on peut encore galérer pour ce genre de petites choses. En même temps, c'était un peu le but des vidéos aussi. Parce que surtout au début, ça me faisait assez complexer de voir les super tricoteuses qui faisaient des trucs de fou hyper vite sans jamais se tromper. Et en fait, moi, je suis pas une super tricoteuse, mais en tout cas, voilà, je tricote depuis un moment et je me rends compte que des bêtises, on en fait tout le temps. Galérer parce qu'un fil glisse, se dédouble, que les aiguilles elles sont pas assez pointues ou des choses comme ça, c'est hyper commun, quoi. Ça arrive tout le temps, donc... voilà, si ça peut décomplexer des débutantes aussi, ben, regardez-moi galérer avec mes mailles. Pas de problème, faites-vous plaisir. Ça fait du bien des fois de voir les autres galérer. Oh, c'est terrible! Donc il reste donc 5 mailles sur chaque aiguille et on va pouvoir passer le fil. Donc passer le fil, hop là, je vais se recadrer un petit peu peut-être.
passer le fil, c'est tout bête, hein, c'est... Je vais couper. Donc, je prends une certaine... Donc, vous voyez, j'ai un joli pataquès là. J'ai tous mes fils qui se sont mélangés. Voilà, hop, toi, c'est bon pour l'instant. Touc. Donc, on passe le fil dans l'aiguille à laine. Voilà. Ensuite, bah, je vais vous montrer moi comment je fais. Après, ça, franchement, chacun sa technique. Hein. Il n'y a pas de miracle. Donc, je vais sur l'aiguille de devant. Et je vais glisser de l'aiguille à tricoter sur l'aiguille à laine. Voilà, donc là on a 5. Et pour glisser celles qui restent, celles qui sont là, hop là, pour glisser celles qui sont là, je vais tout simplement tirer mon aiguille à tricoter. Voilà. Pour me retrouver là où il faut. Et donc je vais encore une fois les glisser de l'aiguille à tricoter sur l'aiguille à laine. Voilà, je m'applique. Je passe l'aiguille à laine donc dans toutes les mailles. Je serre bien. Et puis vous voyez. Hein. Tadam! Donc à présent, on va relever les mailles du pouce ici. On relève toujours les mailles sur l'endroit, ça c'est la règle numéro 1, parce que ça fait un petit défaut qui du coup se cache sur l'envers, donc c'est parfait, parce que vous pouvez voir hein, que quand on relève les mailles c'est invisible, on voit bien qu'il y a une différence de sens, mais c'est quand même assez propre. Donc pour ce faire, on va attraper une boucle ici. Hop là. Et on va passer le fil autour de son aiguille et faire rentrer ce jeté dans la boucle. On se saisit du fil qui part à la pelote. On va repiquer dans une boucle qui est située juste au bord et on va refaire passer le fil. Et ainsi de suite, en sachant qu'on ne relève pas toutes les mailles. Parce que par exemple, mon échantillon, il faisait 22 mailles de largeur sur 32 rangs. Donc vu qu'il y a plus de rangs que de mailles en largeur, si je relève toutes les mailles, mon pouce, il va avoir vraiment une drôle de forme. D'ailleurs, souvent dans les modèles, on vous dit de relever tant de mailles. Et ce tant ne correspond pas au nombre de rangs qui se présentent. C'est normal. Moi, la question que je me posais au début, c'était, mais ben, pourquoi tant de mailles ? Donc maintenant j'ai compris, c'est parce que donc il y a cette différence hauteur-largeur. Mais surtout, comment je fais pour savoir quelle maille je relève et quelle maille je relève pas? Et en fait, c'est à l'appréciation de la tricoteuse. Donc c'est à vous de voir, il faut que les mailles se mettent de façon équilibrée, ni trop serrée, ni trop large, que le tricot ne soit pas tendu, voilà, pour avoir un rendu le plus naturel possible. Donc là, ça fait une sorte de chaînette, vous voyez, les mailles qu'il y a au bord. Donc je vais attraper deux brins voilà, qui forment une boucle. Donc voilà, quand on est sur cette partie-là, c'est un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à utiliser vos deux mains voilà, pour bien saisir la boucle et la passer dans la boucle. Donc j'ai bien mon fil derrière, ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricoter. Je vais tricoter tout à fait normalement mon pouce. Donc si je prends mon modèle, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs avant les diminutions.
Voilà, a priori, ça fait 2,5 cm. Mais encore une fois, vous adaptez à la taille de la main de votre enfant. Enfin, du pouce dans le cas échéant de votre enfant. J'ai tricoté mes 2 petits centimètres pour le pouce. À présent, on a bientôt fini. Donc on va juste faire une diminution à 2 mailles du bord dans chaque demi-tour là. Donc une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Et au rang d'après, on va tricoter 2 mailles ensemble. Et au rang d'après, en fait, il n'y aura plus de rang d'après. On passera le fil dans les mailles, c'est tout. Donc c'est parti. Ça sent la fin. Ça m'avait pas manqué. Donc là, vous avez vu, il y a une petite hésitation, c'est normal. Vu que j'ai une maille en moins, du coup. Du coup, je dois faire deux par rapport à mon petit tuto qui est sur mon petit cahier. Mais quand je suis à 2 mailles du bord, en fait, je suis directement après ma diminution. Donc, du coup, j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et je me suis rappelé que je n'avais pas relevé autant de mailles que je le voulais. Dernier rang, on tricote toutes les mailles deux par deux. Donc ça, vous l'aurez deviné, c'est mon moment préféré. Surtout qu'il y a un tour sur deux où le fil il est coincé, donc c'est assez sympa, le fil, le câble. Youyou, voilà, tu es là. Donc tout deux par deux, et si on a un nombre impair, c'est pas grave. La dernière maille, on la tricote toute seule, tant pis pour elle. Voilà. Mazette, que de câbles, que de fils. Quand il reste 3 mailles, c'est assez rigolo. Et alors là, il faut que je fasse attention, que je ne réunisse pas mes mailles là pour la fin. Donc si vous avez la chance de pouvoir utiliser des aiguilles où les câbles sont interchangeables, surtout, n'hésitez pas, hein, prenez la taille la plus petite possible, n'allez pas vous embêter. Là, vous voyez bien que c'est la croix et la bannière. J'adore. Ça, c'est une maille normale, Céline. Tu devrais pouvoir y arriver. Voilà, super.
Donc il me reste 3 mailles de chaque côté. On va couper le fil, le mettre dans le chat de l'aiguille à laine. Passer ce fil dans les mailles. J'avais perdu mon aiguille. Que la première qui perd pas ses aiguilles me jette la première pierre ou la première pelote, ce sera plus sympa. Alors hop. Une, deux et trois. Donc c'est bon, j'ai bien le fil dans mon aiguille. Hop. Donc je passe bien, je tire, hein, y a pas de crainte à avoir. Voilà. Je retourne, je pique en plein milieu. Passe le fil dans la boucle, je vais tenir le nœud pour que ce soit le plus bas possible, je rentre mon fil en le passant d'une maille sur deux, si c'est une maille sur trois c'est pas grave, il n'y a pas d'inspecteur des gants hein. On ne vous en voudra pas. Je coupe le fil. Je retourne. Les filles. Enfin, les gars, on va dire les gars. Allez, les gars. On a fini. Il ne reste plus qu'un fil à rentrer. Donc, c'est super. C'était le premier tricotant ensemble, donc le but du jeu c'était pas de vous apprendre à tricoter mais de vous montrer comment moi je tricote, que vous voyez mes bêtises, que vous voyez mes astuces, et surtout si vous voyez quelque chose que je peux améliorer, parce que vous aussi vous devez avoir vos petites astuces et vos petites techniques, vous partagez, ça serait super pour moi et puis pour les gens qui regarderont la vidéo aussi. Donc je vais essayer de faire ce rendez-vous une fois par mois, c'est assez ambitieux je vous l'assure. Donc rendez-vous dans un mois et je vous dis à très très bientôt et puis n'hésitez pas à parcourir mon blog, les menus choses, vous y trouverez des petits trucs sympas, promis.